Je me présente, je suis Sophie Germain, mathématicienne et philosophe. Je suis né à Paris en 1776, peu avant la Révolution, et j'ai vécu à Paris jusqu'en 1831. Vous connaissez les théorèmes de Pythagore ou de Thalès, et peut-être des théorèmes plus récents dus à Euler ou à Gauss. Eh bien moi aussi j'ai démontré des théorèmes. Il n'y a pas que des mathématiciens, il y a aussi des mathématiciennes. Je suis mathématicienne et fière de l'être. Mais ma vie en tant que femme scientifique ne fut pas si facile. Je vais vous la raconter. Je suis née dans une famille de la bourgeoisie aisée. Mon père, drapier de profession, avait été élu du tiers-état. Dans notre monde, les filles n'allaient pas à l'école. C'est ma mère qui nous a appris, à moi et mes sœurs, les premiers rudiments de lecture et de calcul. Quand on commençait les émeutes de la Révolution française, j'avais l'habitude de me cacher dans la bibliothèque familiale. J'y ai découvert, entre autres, un livre fabuleux, « L'histoire des mathématiques » de Jean-Étienne Montucla. J'ai alors lu l'histoire d'Archimède qui, lors du siège de Syracuse, tellement absorbé par ses méditations géométriques, n'avait rien entendu du saccage de la ville et de la venue du soldat romain qui le tua. Je me lançai alors dans cette folle passion, les mathématiques. Mes parents n'étaient pas d'accord, les mathématiques ce n'est pas pour les filles. J'étais tellement déterminé que mes parents ont fini par abdiquer. Je commençai seul l'étude des mathématiques à travers tous les livres de la bibliothèque de mon père. Bézout, Euler et Newton, en latin, je l'ai appris. Et d'autres encore, procurés par mes parents, comme le calcul différentiel de Cousin. Mais comment entrer en contact avec le monde des mathématiciens? En 1794, l'École centrale des travaux publics venait d'être créée. Elle deviendra en 1795 l'École polytechnique. Elle devait accueillir les étudiants non par leur rang de noblesse, mais par leur mérite. Hélas, la Révolution n'avait pas changé grand-chose pour les femmes. Cette école prestigieuse était réservée aux garçons. Elle le restera jusqu'en 1972. J'ai eu alors l'idée, très audacieuse et tout de même risquée, de prendre l'identité d'un élève de l'école dont j'avais entendu parler, ceci sans que l'administration soit au courant. Je devenais Monsieur Leblanc et me procurais les cours du grand professeur Joseph-Louis Lagrange, à qui j'envoyais régulièrement des notes, des remarques, des questions, comme c'était permis par le règlement. L'illustrissime Lagrange fut impressionné par les contributions de l'élève Leblanc et voulut le connaître. Je devais divulguer ma véritable identité et mon sexe. Contrairement à mes craintes, M. Lagrange ne fut pas décontenancé et m'encouragea à poursuivre mes recherches. Moi, autodidacte et femme, j'étais arrivé au même niveau que les meilleurs étudiants de Polytechnique. En 1798, M. Lagrange me conseilla la lecture du dernier ouvrage d'Adrien-Marie Legendre, Essai sur la théorie des nombres. Je découvrais alors un problème incroyable. La résolution d'une question qui deviendra le grand théorème de Fermat. Pierre de Fermat était un juriste et mathématicien toulousain, et vers 1640, il avait énoncé dans la marge de son exemplaire de la traduction des arithmétiques du mathématicien grec Diophante une propriété étonnante des nombres entiers. Il avait écrit qu'il manquait de place pour la démonstration. Depuis, plusieurs s'y étaient attaqués sans succès.
je décidai de me consacrer à ce problème et trouvai une voie nouvelle, qui ne permit pas de résoudre complètement, malheureusement, la question. Elle ne le sera qu'en 1994. En 1802, M. Legendre m'avait encouragé à lire le livre « Disquisitiones Arithmeticae » du grand mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss, que l'on appela plus tard le prince des mathématiciens. J'ose dire que je fus une des premières à lire ce texte en latin et à en comprendre toute la nouveauté. J'ai eu un échange épistolaire avec lui sous l'identité de M. Leblanc, que j'avais reprise pour l'occasion. J'avais trop peur de ne pas être prise au sérieux si j'avais signé Sophie Germain, une femme. Et de fait, M. Gauss fut très intéressé et, je l'avoue, surpris par la qualité des réflexions de ce M. Leblanc. 1806, Napoléon envahissait la Prusse et la ville de Braunschweig où habitait M. Gauss était assiégée. J'avais très peur. J'ai chargé un ami de ma famille, général, de le sauver pour lui éviter de subir le sort d'Archimède. Ma véritable identité fut alors révélée. Mais M. Gauss me répondit. Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement de voir mon estimé correspondant, M. Leblanc, se transformer en ce fameux personnage qui me donne un brillant exemple de ce que j'aurais du mal à croire. Le goût des sciences abstraites en général et plus particulièrement des mystères des nombres est extrêmement rare. Les charmes de cette sublime science ne se révèlent qu'à ceux qui ont le courage de l'explorer en profondeur. Mais quand une personne du sexe qui, du fait de nos coutumes et préjugés, doit surmonter plus de difficultés que les hommes pour se familiariser avec ces épineuses questions, réussit néanmoins à dépasser ces obstacles et à appréhender leur partie la plus obscure, alors elle doit sans aucun doute posséder un noble courage, des talents extraordinaires et un esprit supérieur. De fait, rien de plus flatteur et moins équivoque que la prédilection avec laquelle vous avez honoré cette science, qui a enrichi ma vie de tant de joie, ne pourrait me montrer que ses attraits ne sont pas chimériques. Pour des raisons qui me restèrent inconnues, M. Gauss cessa sa correspondance. J'étais un peu découragé, continuant cependant de travailler sur le théorème de Fermat, mais sans le résoudre, vous le savez, puisque cela fut fait par Andrew Wiles dans les années 1990, en utilisant des techniques sophistiquées qui étaient loin d'être connues à mon époque. Entre-temps, un problème très différent de mathématiques allait m'accaparer. Le physicien allemand Ernst Chladni était venu présenter à l'Institut une expérience étonnante. Cette expérience consistait à mettre du sable sur une plaque de cuivre et de la faire vibrer à l'aide d'un archet. Il se formait alors des figures géométriques. On pouvait voir le son. Enthousiasmé, Napoléon demanda en 1809 la création d'un prix de l'Académie des sciences pour récompenser un travail qui donnerait une explication mathématique à ces phénomènes. Le prix fut mis au concours 3 fois, et à chaque fois, je m'obstinais à candidater. Les premiers retours furent douloureux, comme me l'écrivit Legendre en 1811. Mademoiselle, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous donner de l'examen du mémoire. On trouve que votre équation principale n'est pas exacte. La source de votre erreur paraît être dans la manière dont vous avez cru pouvoir déduire l'équation de la surface vibrante de l'équation d'une simple lame. C'est dans les doubles intégrales que vous vous êtes égaré. Je n'en rends pas moins justice à des efforts qui sont louables en eux-mêmes, quoiqu'il n'ait pas l'issue que j'aurais désirée. Mais c'est une raison de plus de garder l'incognito, et je vous promets, de mon côté, de garder le plus profond silence. J'imagine que la même question sera posée avec un nouveau délai. Ainsi, miséricorde n'est pas perdue. Au contraire, il faut plus que jamais songer à remporter la palme. Agréez, mademoiselle, les sentiments affectueux de votre dévoué serviteur, Legendre. Cependant, ma persévérance fut récompensée. En 1815, j'ai obtenu le prix tant convoité. Je ne me présentais pas à la cérémonie de remise du prix, ce qui ne manqua pas de faire du bruit dans le tout Paris.
La classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut a tenu, aujourd'hui 8, sa séance publique devant une assemblée fort nombreuse qu'avait attiré sans doute le désir de voir une virtuose d'un genre tout nouveau, Mademoiselle Sophie Germain, à qui le prix des lames élastiques devait être donné. L'attente du public a été trompée. Cette dernière n'est point venue recevoir une palme que son sexe n'avait pu encore cueillir en France. En vérité, M. Delambre avait oublié de me faire parvenir à temps les billets nécessaires pour moi et ma famille. Les femmes n'étaient pas autorisées à assister aux séances de l'Académie, sauf les épouses des académiciens. Avoir un prix ne suffisait évidemment pas. Il faut dire que j'étais la première femme dans ce cas. Plus tard, Joseph Fourier, élu secrétaire perpétuel en 1822, m'autorisa à participer aux séances de l'Académie des sciences. Paris, le 30 mai 1823, le secrétaire perpétuel de l'Académie. Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous prévenir que toutes les fois que vous proposerez d'assister aux séances publiques de l'Institut, vous y serez admise dans l'une des places réservées au centre de la salle. L'Académie des sciences désire témoigner par cette distinction tout l'intérêt que lui inspirent vos ouvrages mathématiques et spécialement les savantes recherches qu'elle a couronnées en vous décernant un de ses grands prix annuels. Agréez, mademoiselle, l'hommage de mon respect, Joseph Fourier. De la vie de Sophie fut triste. Certes, elle profitait de la compagnie de Fourier et d'un jeune aristocrate italien, Guglielmo Libri. Elle se passionnait pour la philosophie, mais elle se sentait très isolée dans ce monde exclusivement masculin des mathématiciens. Et puis, elle souffrait d'un mal terrible. Elle est morte le 27 juin 1831 d'un cancer du sein. Au paradis des mathématiciennes, Sophie a été rejointe par Mariam Mirzakhani, décédée en 2017, trop tôt, à tout juste 40 ans, de la même maladie. Mariam est la première et unique femme à avoir obtenu la prestigieuse médaille Fields, qui existe depuis 1936. Il y a bien de nos jours quelques mathématiciennes à l'Académie des sciences, mais de là-haut, Sophie doit se demander si la situation a vraiment bien changé